C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus, again and again, te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Ton flow est vague, very bad swag. Oui, aujourd'hui, on va parler de Mr. Launi Muhaid, a.k.a. La Fouine. Donc, dans un premier temps, et il est nécessaire et important de le mentionner dans cette vidéo. Je connais la discographie complète de La Fouine. Que ce soit les Capitales du Crime, que ce soit les albums solo. J'ai été le voir en concert. J'ai lu sa biographie. Je n'ai jamais raté un épisode de Fouine History. Et en plus de ça, j'ai eu la chance et le privilège de l'interviewer. Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment, peux-tu en dire autant, jeune gaillard? Donc voilà, tout ça pour te dire qu'on est légitime pour parler. Tu vois ce que je veux dire? Je possède un master, une licence, un DUG et un doctorat en fouinilogie. Tu vois ce que je veux dire? En fouinilogie, peux-tu en dire autant, jeune gaillard? Donc, les gens m'ont harcelé. Ils m'ont dit, putain, Vantard, fais-nous une chronique sur Argent Sale, nanani. Et pour ton plus grand plaisir, mon loulou, Vantard va s'exécuter. Voilà. Et cette vidéo sera aussi une petite vidéo en deux parties, car je voudrais aborder une autre thématique durant cette vidéo. Donc, moi déjà, ça m'a fait plaisir avec le morceau Argent Sale, parce que Monsieur Lafouine, Launi Muhaid, est revenu au basique. Il est revenu aux fondamentaux, tu vois ce que je veux dire? Parce que dans un des derniers épisodes de Fouine History, il a dit, et c'est assumé, et ça me fait plaisir, il a dit que oui, avec ce nouvel album Nouveau Monde, il allait prendre un virage qui était un petit peu plus pop, voilà, que c'était assumé, et que les gens n'avaient pas à être déboussolés, désarçonnés, car tout au long de sa carrière, il a poussé la chansonnette, tu vois ce que je veux dire? Donc dans cet épisode de Fouine History qui est sorti il y a une semaine ou il y a deux semaines, c'était l'histoire de remettre les pendules à l'heure pour dire voilà, moi j'ai toujours chanté tout au long de ma carrière, donc vous étonnez pas si dans cet album Nouveau Monde, je chante encore plus et patati, voilà, il voulait remettre les pendules à l'heure, de dire que c'était assumé, voilà. Et j'ai envie de te dire que à son niveau, à son échelle, le mec, c'est un vétéran du game, il t'a sorti je sais pas combien de mixtapes Capitale du Crime, je sais pas combien d'albums, il a fait je sais pas combien de featuring, il a posé sur des bandes originales de films et patati et patata. Et j'ai envie de te dire, dans le rap, il n'a plus rien à prouver, tu vois ce que je veux dire? Et moi, comme je t'ai dit, j'apprécie La Fouine, tu vois. Oui monsieur, on peut être fan de Rof, de Booba et de La Fouine, sans être un pro Booba, sans être un pro Rof, sans être un pro La Fouine, tout en appréciant ce que ces rappeurs respectifs rapportent au game, voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc, moi, je t'ai dit, concernant ce morceau Argent Sale, je suis content, il est revenu au basique, il est revenu aux fondamentaux, voilà, tu vois, parce que les premiers extraits ne m'avaient pas spécialement convaincu, tu vois, moi, je t'ai dit direct, voilà, moi, tu vois, j'aime back to the basic, back to the fondamentaux, tu vois, moi, j'aime le rap pur et dur, j'aime quand ça kick sec, quand c'est agressif, quand c'est, tu vois ce que je veux dire, quand le rap flirte un petit peu avec la pop et compagnie, tout ça, moi, c'est pas trop ma tasse de thé, après, ça n'engage que moi, ce n'est que mes goûts personnels, voilà. Donc, en ce qui concerne ce morceau Argent Sale, voilà, j'étais content dans un premier temps, voilà, il est revenu, parce que tu vois, il aura beau dire que oui, voilà, il va peut-être se mettre en danger, et je trouve que c'est une bonne chose en explorant d'autres vibes, d'autres sonorités, tout ça et tout, mais voilà, en tout cas, quoi qu'il arrive, il aime trop le rap, pour vraiment lâcher le rap, donc il y aura toujours quelques morceaux rap de ci, de là, il aime trop le rap, tu vois, il aura toujours besoin de kicker et compagnie, même s'il explore d'autres horizons, tout ça, donc voilà, moi je suis content parce qu'avec ce morceau-là, il est revenu aux basiques, aux fondamentaux. Je rappelle que son nouvel album Nouveau Monde arrive dans les bacs le 4 mars et que chaque vendredi à 18h, il balancera un nouvel extrait jusqu'à la date fatidique du 4 mars. Donc après, personnellement, et ça n'engage que moi, le morceau, je ne l'ai pas trouvé ouf. Tu vois, vraiment, le morceau, je ne l'ai pas trouvé ouf.
Ça m'a fait plaisir parce qu'il est revenu au basique, il est revenu aux fondamentaux, mais après, voilà, après, ça n'engage que moi. Ce sont mes goûts personnels. Peut-être que toi, t'as kiffé. Voilà, on est en démocratie. Voilà, moi, personnellement, le morceau Argent Sale, il m'a pas spécialement emballé. Quand je l'ai entendu et que j'ai regardé le clip, j'ai pas fait Ouah! Putain de merde! Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, c'est pas comme quand, bon, il m'a régalé à maintes et maintes et maintes et maintes reprises, tu vois. Par exemple, quand le morceau, comment s'appelle? Panambos. Où des morceaux comme ça sont sortis, voilà, vraiment là, ça m'avait giflé, voilà, bon, en tout cas, il m'a régalé par le passé à maintes et maintes reprises, voilà. Mais ce que je voudrais dire, justement, en deuxième partie de vidéo, c'est comme, tu vois, comme je t'ai dit, je suis parti le voir en concert, je connais la discographie par cœur, j'ai jamais raté un épisode de Funny Story, je l'ai interviewé, j'ai lu sa biographie, je suis un vrai fanatique, et jusqu'à la fin des temps, il aura mon respect et ma sympathie. Voilà, et c'est ça que je veux parler de ça justement dans cette vidéo, parce que le public rap français est un public de tendance. Le public rap français est un public de girouette. Tu vois, ça veut dire que le lundi, ils sont à fond sur Maître Gims, le mardi, ils kiffent Gradur, le mercredi, ils kiffent Niska, le jeudi, c'est Seth Gueko, tu vois. Les vrais fans, les vrais fans hein, qui suivent les artistes contre vents et marées, c'est rare. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que moi, je t'ai dit pour ma part, même si les morceaux où ils flirtent un petit peu avec la pop, ça me parle pas plus que ça. Même si le projet avec la Team Bess, ça me parle pas plus que ça. Même quand il a eu des démêlés judiciaires ou quoi aux caisses, je le suivrai contre vents et marées. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis un vrai fan. Tu vois ce que je veux dire? Parce que souvent, je t'ai dit, le public de rap français, c'est un petit peu un public de girouette. Sur un ou deux morceaux. Ah ouais, ben moi j'aimais bien la fouine, et ben maintenant ce qu'il fait, j'aime plus. Ah ben ouais, maintenant moi je préfère lui et compagnie, tu vois. Et ça, c'est pas propre à la fouine, hein, c'est propre à plein de. Voilà. Souvent, le public rap français, c'est un public de tendance. Le lundi, il t'idolâtre, et le jeudi, t'as déjà oublié parce qu'il y a la nouvelle sensation du moment où il y a un nouveau gars qui. Voilà. Moi, tout ça pour dire que je suivrai la fouine contre vents et marées. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Qu'il soit au plus bas ou qu'il soit au top. Qu'il ait un morceau que j'aime bien ou qu'il ait un morceau que j'ai pas spécialement kiffé, voilà, moi je vends pas la peau de la fouine avant de l'avoir tué. Je sais que son album arrive le 4 mars et que bien évidemment je vais l'écouter, ça c'est sûr et certain. Il y a peut-être des morceaux qui vont me faire kiffer, d'autres moins, mais en tout cas, il aura mon respect, mon soutien et ma sympathie jusqu'à la fin des temps. Voilà, c'est vraiment un artiste que j'apprécie. Comme je te l'ai dit, on peut apprécier la fouine, Rof, Booba, sans segmenter, compartimenter, dire « Ouais, non, moi, j'écoute que Booba. Rof, j'aime pas. Ouais, non, moi, j'écoute que Rof. » Tu vois, moi, je t'ai dit, voilà, Rof, Booba, la fouine et beaucoup d'autres rappeurs, c'est des rappeurs que j'apprécie pour leur style respectif, pour ce qu'ils apportent au game respectivement. Donc voilà, tout ça pour te dire que, voilà, moi, en tout cas, je suivrai la fouine contre vents et marées. Et je te dis ça dans cette vidéo parce que souvent, des fois, dans les commentaires, tu vois des mecs qui disent « Ah non, putain, ce morceau, il est nul à chier. Vas-y, maintenant, il fait que du commercial. Ouais, maintenant, il fait que du... Moi, je l'aime plus. » Voilà, si tu aimes un artiste, tu dois le soutenir contre vents et marées. Tu vois ce que je veux dire? Parce que l'artiste, il t'a donné du love. Il faut lui donner du love en retour. Voilà, donc en ce qui concerne, je t'ai dit le morceau « Argent sale ». Ça m'a fait plaisir, il est revenu au basique, aux fondamentaux. Après, ça m'a. Tu vois, par exemple, est-ce que tu te rappelles de Capital du Crime, le dernier Capital du Crime volume 4. Il avait fait. Attends, j'arrive. Mais ce nègre est complètement fou. Vantard, le seul mec qui fait des vidéos et le mec carrément il dit attends, il part et il revient. Donc voilà, je sais pas si tu te rappelles dans Capital du Crime volume 4, il y avait un morceau qui s'appelle C'est trop facile. Est-ce que tu te rappelles de ce morceau? Est-ce que tu te rappelles de ce morceau? Mon gars, celui-là, dès la première écoute, le morceau m'a rendu ouf, tu vois. Et vraiment, voilà, bon, tout ça pour te dire que voilà, tu vois, CDC 4, voilà, tu vois, mon gars, je t'ai dit.
Ton flow est vague, very bad swag. Tu vois, mon gars, je t'ai dit. Mon gars, les bails sont là, les bails sont là, tu vois. Je t'ai dit, mon gars, vrai fan, vrai, tu vois. Voilà, tu vois. Et m'oblige pas à repartir là, à aller chercher les places de concert et compagnie, tu vois. Je t'ai dit, vrai fan. Voilà, je l'ai interviewé. Fouine Story, je suis au taquet. La discographie, je t'ai dit, j'ai un DEUG, une licence, un master et un doctorat en fouinologie. Je pense pas que tu peux. Voilà. En tout cas, tout ça pour dire, voilà, j'ai fait ma chronique. En tout cas, c'est important. Suivez vos artistes et soutenez-les contre vents et marées. Voilà, contre vents et marées. Tu vois, même quand on a il est, même quand il est au plus bas, même quand il passe par des casse faits divers ou qu'il n'a pas le vent en poupe et compagnie, soutenez vos artistes contre vents et marées. Moi, en tout cas, voilà, je le dis face cam, jusqu'à la fin des temps, il aura mon soutien, mon respect et ma sympathie. Voilà, tu vois ce que je veux dire? En plus, quand on avait fait l'interview ensemble, c'était ma toute première interview dans le rap français. Il ne savait pas spécialement qui j'étais. Je sortais un petit peu de nulle part et il m'a donné du love et il m'a témoigné du respect. Voilà, il aura ma sympathie et je le soutiendrai. Et quand l'album Nouveau Monde sortira, bien évidemment, Vantard sera de la partie et tu auras le droit à ta chronique, bien évidemment, le 4 mars ou pas loin dans ces voilà. C'était ton gars Vantard, Peace and Love.